Hello! Cocotti dit jouer à Vampire Survivor. Ça commence bien direct. Ça marche, je note. Comment ça va? Bon, ça va, mes goûts. Mes goûts et Cocotti, du coup, j'imagine. Alors, c'est bizarre que vous n'entendiez pas la musique. Est-ce que, dis-moi si là ça va en termes de son. Salut Coco, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici. Comment tu vas? Pour 2,39€, t'as plus de drogue que chez le dealer. C'est pas mal. Ça va, nickel. Bon, petit live tranquille ce soir, chill dessin, dessin papotage. On a notre viewer, salut Jix, j'allais dire la star du soir, le voilà, le voici, Jix Twitch, ici présent dans le chat. Bien et toi? Mais oui, projet de master. Tu Coco, ouais, bah ouais, je sais. Et d'ailleurs, bon, là, on fait un peu de hors-stream vite fait, mais Coco, sache que j'ai lu ton rapport de stage et que je l'ai trouvé trop adorable et j'ai trop kiffé. Et trop, trop cool ton rapport de stage, voilà. J'ai adoré. T'as même dessiné... Alors, attendez, je vous raconte parce que Coco, elle est venue en stage dans le studio où je travaille en ce moment. Elle est venue cet été. Là, ça va peut-être un peu fort la musique. Attends, je vais rabaisser un peu. Hop là. Dites hein, pour le son. Elle est venue en stage cet été. Et oui, j'ai vu mon portrait du coup. Et c'est trop mignon parce qu'elle a fait son rapport de stage et du coup, elle a fait des petites scènes de BD pour représenter des scènes qu'elle a vécues avec les gens du studio. Elle a dépeint un profil trop adorable de moi. J'ai trop. Enfin, trop trop mignon. Elle a même dessiné, j'adorais, elle a même dessiné mon mug Harry Potter qui est sur mon bureau dans son rapport de stage. J'adore. Trop trop bien. Franchement, le meilleur rapport de stage que j'ai vu. Je suis trop fière. Franchement, je suis trop fière. Bon. Du coup, ce soir, nous allons dessiner. J'ai peint un vrai portrait, trop mignon, merci Coco, trop adorable. Ce soir, on va dessiner Jix, ici présent. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Twitch et nous envoyer une sublime photo. Nous allons pouvoir le caricaturer en extraterrestre, on va faire de notre mieux. Et si on a le temps, on pourra peut-être faire Endo dans la même soirée, à voir, si on a le temps. Comme d'habitude. Et puis on va papoter, tranquillement. Je vous raconte un peu ma vie, récemment, parce que... Faut que je vous raconte une anecdote. Digne de moi. C'est que j'ai réussi à me faire mal au dos. Toute seule comme une couillonne, dimanche dernier en faisant du sport. Donc voilà, j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe demain.
Parce que c'est compliqué. J'ai pas les abonnements, je suis pas assez famous. Ouais, mais il faut justement que t'aies des gens, des followers pour atteindre les abonnements. Ça va venir. Ça va venir. Puis faut faire. Fais des lives. Reprends les lives. En plus, j'ai vu que t'en avais fait un la dernière fois, mais je pouvais pas aller dessus. Allez tous chez Jix. Allez tous vous abonner pour lui donner de la force et qu'il puisse avoir l'affiliation. Le sport, c'est dangereux, je l'ai toujours dit, c'est ça. Non, mais le pire, c'est que. Le sport que je fais en ce moment, j'aime bien. C'est-à-dire que je fais. En gros, mon sport en ce moment, c'est Just Dance. Je vous mens pas, c'est vrai. C'est-à-dire que tous les jours, je me fais 40 minutes de Just Dance. Et. Pour équipe. Enfin, ça me fait mon sport, quoi. Sauf que dimanche, j'avais déjà un peu mal au dos, parce que je pense que j'ai dû me dormir dans une position de merde. Et je fais mon truc. Et puis après, en sortant de la douche, je sens que. Je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien. Et en fait, je me suis bloqué le dos, comme une couillonne. Jixwix, salut Twinkyu. Jixwix, oula, Jix Twitch, t'as des arguments pour qu'on vienne te voir. Allez, vends-toi, Jix, vends-toi. Déjà, il y aura sa tête ce soir. Comment ça va ici? Bah écoute, ça va, je racontais mes anecdotes de blocage de dos. J'ai vraiment des problèmes de vieille. C'est chaud, quoi. C'est chaud. En faisant du sport, évidemment. Je me suis bloqué le dos en faisant du sport, c'était un vrai plaisir. Alors ce soir, petite anecdote, anecdote, ce qu'on peut appeler ça une anecdote. Je nous ai mis une playlist Zelda parce que je suis en train de me refaire Breath of the Wild pour la troisième fois et que j'aime trop ce jeu et du coup j'aime trop ses musiques et voilà. Donc j'ai mis une playlist spéciale, bonne ambiance pour dessiner, on sera bien. Tu verras ma tête, elle est vendeuse, pas du tout. Merde, et ça va. Bah, en vrai, ça va. J'ai juste un peu mal au dos, mais ça m'empêche pas de bouger ça. Juste que je trouvais ça marrant de me bloquer le dos de cette manière. Du coup, je risque. Alors, déjà, habituellement, je tiens pas spécialement en place. Mais alors là, ça risque d'être pire qu'à l'habitude. Je n'ai jamais joué à un seul Zelda de ma vie. Et ben, celui-là est exceptionnel. Celui-là, franchement, c'est un de mes jeux préférés. J'aime trop ce jeu. Quelle belle playlist, tout à fait, tout à fait. Alors, attendez, la révélation, est-ce que ça va bugger encore ou pas? Hop. Je vous ai mis la magnifique tête. Alors attendez, faut que je retourne dans le sens. Voilà. Petite tête de Jix pour vous montrer le avant. En plus, après je vais l'enlever pour le temps du dessin, je la remettrai de temps en temps. Sinon je fais des jeux et j'essaye de vulgariser des explications sur ce un peu complexe. Voilà, pour Jix qui se vend. N'hésite pas à continuer à te vendre dans le chat, Jix. Voilà, je réitère, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jix que nous dessinons ce soir. Cette beba de dingue. Avec mes magnifiques cernes, on a tous des cernes. Mais tu vois, genre moi, les miennes, déjà là, sachant que je mets de l'anti-cerne et que j'ai une lumière blanche en plein sur la gueule qui cache un peu. Truc. Vous les voyez, mes cernes. Alors imagine sans lumière en pleine face. C'est chaud. Faut que je le soigne. Bon, j'y vais, des bisous, peace. Bisous, Meg. Merci d'être passé. Gros bisous. Et bisous à Cocotti. Et c'est noté pour le jeu, là. Juste, tu me rediras parce que j'ai déjà oublié le nom. Bon. On va recommencer cette magnifique caricature. Surtout avec cette expression, il y a moyen de faire un truc sympa. La photo est d'aujourd'hui et j'ai dormi 6 heures en deux nuits. Oui, en plus avec ton stage. Ah oui, en plus j'ai vu plus haut que tu disais que dans 2 semaines ton stage il est fini, du coup tu pourras reprendre bien les lives et tout, c'est trop bien. Mais ça, ouais, c'est le stage qui te prend, est vraiment prenant. Alors. Team Grosse Cerne, je te jure. Je vous laisse admirer ce magnifique visage, et puis ensuite je vais masquer un peu tout le temps dessiner. Parce que la dernière fois que c'était vrai que c'était chiant, j'avais laissé l'image en bas. Hop. J'essaye de retrouver parce que je me suis perdue dans mon truc. Ça y est. Ah. Il est là. Yes. Voilà, notre Jix Nasurnal. C'est marrant parce qu'en plus, sous 7 ans, je trouve que t'as un air à cirer l'MP4 un peu. Avec cette coiffure. Hop là!
On la remettra de temps en temps pour faire des petites piqûres de rappel. Salut Endo, comment ça va? Alors, il y a moyen que ce soit plus rapide aujourd'hui quand même, donc j'aurai peut-être temps de faire les deux. Ça va bien et toi? Bah, ça va, ça va. Peu fatigué, comme d'habitude. Ah oui d'ailleurs, parce que je vous ai dit la dernière fois que j'étais fatiguée et tout. Mais je sais pourquoi, parce que je fais une analyse sanguine et en fait je suis en carence de vitamine D. Donc en fait, tout s'explique. Faut utiliser de l'anti-cerne. Ah bah moi j'en utilise, hein. C'est très utile l'anti-cerne. Et tout s'explique du coup, maintenant que je sais ce qui va pas chez moi, je vais prendre une bonne ampoule de vitamine D à défaut d'avoir le soleil, parce que oui, le soleil, ouais, pas facile à Paris en ce moment, c'est un peu compliqué. Hein. Et comme ça je reviendrai en forme pour faire tous les projets que j'ai en tête et que j'ai envie de mettre en place sur Twitch. On va faire ça tranquille la main. Alors, on va commencer par l'éternel brouillon habituel. Déformation en extraterrestre, on a dit. Alors, si je prends pas le bon pinceau. Voilà. On m'a dit qu'on partait plus sur l'espèce de maquette que j'avais fait. Je vais essayer de faire un truc de. Je fais plus en fonction de la photo, quoi. On va essayer. En hiver, c'est normal le manque de vitamine D, ouais. Mais en plus, moi je sais que. J'ai. En fait, on a. Je sais pas si c'est un capital comme le capital soleil, je sais plus comment ça marche, mais. En gros, moi comme j'ai vécu des années dans le sud de la France et en plus en Afrique, mon corps s'est habitué toute mon adolescence jusqu'au début de l'âge adulte à être exposé au soleil énormément. Ce qui fait que depuis que je suis rentrée notamment d'Afrique en fait et que j'atterris dans le nord de la France, centre-nord de la France on va dire, et en fait j'ai des soucis de vitamine D et les médecins m'avaient expliqué que c'était parce que mon corps était tellement habitué que ben en fait en France au-dessus d'une certaine zone, il n'y a pas assez de soleil, quoi. Du coup, je suis toujours obligée de prendre des compléments alimentaires ou genre des trucs de vitamines et tout. Et là, en plus, avec les confinements qui se sont répétés ces dernières années, ça aide pas non plus, quoi. Bon, on va commencer ce dessin à un moment donné. Quand même avancer. Bretagne, on a masse soleil en ce moment, c'est vrai? Après, non, nous, on a eu deux beaux jours vraiment super beaux, là. Deux, trois jours super beaux. Peut-être c'est un peu grosse histoire. Mais aujourd'hui c'était tant. Bah, presque breton, j'ai envie de dire. La colonisatrice revient en France, humour, je te jure. Je te jure. Me banne pas. Non, ça va, je te connais, t'as de la chance. Après, j'allais pas tellement coloniser là-bas, je te rassure. Allez! C'est déformé cette tête. Tiens, il y a encore des barbes. Pourquoi vous laissez pousser les. Faudrait que je dessine des femmes un peu pour changer. Hein. Y a pas des filles qui vont être caricaturées devant les lèvres. J'en ai marre de faire des barbes. Quoique ça va, Twinkie, il n'y avait pas de barbe là-dedans. Temps breton égale gros soleil. Ouais, que du brouillard surtout. C'était surtout du brouillard. Hop. On va tricher un peu. Sweet. Hop. Ça on fera après détails de toute façon. Sympa la musique, ouais, comme je disais, j'ai mis Breath of the Wild parce que je suis en train de me refaire le jeu en ce moment. Et du coup j'aime tellement. Alors on va exagérer un peu ce petit sourire en coin. J'avais fait des nez ou pas? Je sais plus, oui je crois que j'avais fait des nez. Les yeux, évidemment. De toute façon, à ce stade, ça serait une caricature vraiment. C'est plus un avatar en fait qu'on devrait appeler ça qu'une caricature au final. Compliqué de caricaturer en extraterrestre. Ah, de voir le 2, je te jure, j'en peux plus. J'en peux plus. La musique de Mifa, je te jure. Non, mais le 2, j'ai trop hâte. En plus, ils en reparlent en ce moment parce que Nintendo a refait des annonces récemment dessus. En parlant de. Pour que ce serait pour fin 2022. Espérons que ce soit vraiment pour fin 2022, parce que ça commence à faire un moment qu'on l'attend. À la base, ça devait être pour fin 2021, début 2022. Hop! J'ai dessiné une barbe.
barbe sur un extraterrestre, c'est pas simple, hein. Peut-être descendre un peu la bouche qui est un poil haute. Comme d'hab, n'hésitez pas à dessiner en même temps si vous voulez, tranquillou ce soir, et m'envoyer vos dessins sur le Discord. Hein. Descendre un peu ça. Que ça change un peu l'expression. Attention avec tes mots, John Kicks. Ça va, j'accepte, mais fais gaffe, ça a bloqué le. Ça a bloqué le. Ton message. Yeah. T'inquiète, t'inquiète. Ah oui, Pokémon Arceus aussi, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu, j'en ai entendu parler, ouais. Oui, il sort ce week-end, c'est ça. Bah, je crois qu'il y a des streamers déjà qui vont même y jouer avant, parce qu'ils peuvent avoir accès au truc en avance ou je sais pas quoi. Perso, le prochain jeu que j'attends de ouf, c'est Lego The Skywalker Saga. Ah ouais? J'ai jamais joué au jeu Lego. Hop. Petite mèche. Ça m'étonnerait de ouf, mais oui, apparemment, c'est pas Jojo. Ah ouais? Parce que pourtant, j'ai vu des images, ça avait pas l'air si mal, non? Après, j'ai vu des images vite fait, hein, donc je vais pas regarder en profondeur. Ce que c'était, ce que ça donnait. Bon, voilà le premier brouillon. Hop. Faire un petit yeux rieur quand même un peu. Pour l'instant, ça ressemble plus à un papy, un extraterrestre papy, mais ça va changer, je vous jure. Apparemment, ça serait hyper creux, ça manquerait de pas mal de contenu. Ok, ok, bah après, j'avoue que j'ai jamais trop accroché avec les jeux Pokémon. Ouais. J'avais joué à Pokémon Épée, je crois. J'avais fait la moitié du jeu, puis après, j'étais un peu saoulé. Ça n'a jamais été trop mon délire, les jeux Pokémon. Cheveux qui reviennent ici. Hop. Voyons voir. Les sourcils, ils sont trop, je pense. Ils sont trop rushés aussi, les jeux Pokémon. C'est vrai qu'ils en sortent, je sais pas combien par an, là, ça se demandait comment ils font. En plus, Nintendo, ils sont connus pour pas avoir des super grandes équipes de développeurs et tout, donc... C'est un peu juste comme ça. Hop! Va accentuer vraiment le sourire en coin. Presque. Il va être dingue le prochain Lego, c'est genre les 9 films dans le même jeu. Et en plus ça sort en semi-monde ouvert avec un nouveau moteur graphique. Bref, c'est un truc de malade, genre c'est le projet le plus ambitieux de tout game. C'est pas ouais. En plus il a été repoussé plusieurs fois à cause de la Covid, donc la hype est présente, je comprends. En effet, gros gros jeu quoi. Du coup j'en avais pas entendu parler, tu vois, je suis pas du tout à l'actualité de ce genre de jeu. Hop, je pense qu'on commence à être pas trop mal. Est-ce que je vous remets pas là, un petit peu la petite photo là? Ça va s'améliorer comme d'hab avec le temps. On a repris un peu l'expression. Sachant que là je déforme un peu forcément, je fais un coup plus long parce que pour accentuer l'aspect extraterrestre quoi, mais... Hop.
Me semble même que ça sera le jeu au coût le plus cher du studio. Ah ouais? Oui, remarque, après, s'ils mélangent tous les jeux en même temps, ouais, ce serait pas étonnant. Hop! Premier brouillon de fée. Là, on va affiner un peu les traits, voir ce qu'on change. On enlève l'image. Je vous fais un peu de surprise comme ça. Suspense. Dire deuxième brouillon. Ils sont pas de la même taille. Tricher. Hop. J de procreate. Même vu qu'il est légèrement penché. Qu'elle ramie après. Demain dernier examen enfin. Ah ça y est, tu envoies le bout, tu vas être enfin libre. Enfin libéré. Attends, est-ce qu'on avait fait un nez? Je sais pas encore, je vais voir si je rajoute ça ou pas. On va quand même garder un côté extraterrestre. Hop. Je sais pas encore de quelle manière je vais faire la barbe et tout. Hein. Pour l'instant, je pars sur le placement, on va dire. J'ai raté les trois quarts, mais comme je vais arrêter, c'est tranquille. Courage, courage. Du coup, tu nous avais dit ce que tu voulais faire après, ou tu sais toujours pas, c'est ça? Que tu nous avais dit. Pas te dire de bêtises, alors j'ose pas le dire. Peut-être accentuer plus la masse de cheveux. Fais le coup pour une nouvelle vie. C'est ça. J'ai acheté polo pour les cheveux. C'est ça, tellement nouvelle coupe pour une nouvelle vie. C'est encore entre la vente, la coiffure et l'esthétique. Oui, c'est ça, tu nous avais parlé de la coiffure. Prêté. T'es jeune, t'as raison, t'as des trucs. Trouver ce qui te plaît. Attendez, j'ai fait une barbe. Faire le contour avant parce que de pinceau parce que je tour et je vais faire la barbe après parce que je sais plus tout comme ça je réfléchis comme j'aime toutes les couleurs et qu'elles me vont toutes c'est bien compliqué haha. Pour choisir les couleurs, je te comprends. Une colo arc-en-ciel. Et là, du coup, c'est pas assez déformé, mon truc, là. C'est le problème. Je crois que je vais rester ce que j'avais fait, c'était... C'est trop déformé, là. J'ai fait un menton... Je vais trouver... les deux. Je fasse plus fin. Accentué. C'est vraiment très fin quand même. Ah, c'est un peu mieux. Non, je vais faire noir et vert en mode canet de monster. Un peu comme Billie Eilish.
Ah barbe. Tu nous enverras des photos, Twinkie, de toute façon. Ta nouvelle coiffure. Hop. Techniquement, la barbe, elle remonte un peu comme ça. Après... C'est pas simple. Hein. Ce qui me gêne, c'est cette partie de cheveux qui est trop haute. Comme ça, plutôt. Par contre, le dessin dirait grave similaire. Ouais, t'as vu, hein? Je suis la photo. Bon, après, évidemment, c'est. Je vais colorier la barbe pour qu'on puisse mieux voir. Hop. C'est mon sosie, mais moins connu que moi, tout à fait. Ah, t'as un truc à jouer là-dessus, hein. L'ambiguïté, ça peut te faire gagner des followers. Je pense que je vais accentuer peut-être un peu les... la taille des yeux. Hop. On va tester. Avec un. Regardez vraiment l'aspect extraterrestre à fond, quoi. Peut-être pas mal, un peu plus gros les yeux. Peut-être pas si mal. Attendez. Pas assez. Je sais que des fois je chipote sur des trucs, mais. Je pense qu'on est pas trop mal, hein. Je pense que c'est pas trop mal. Bon, les cheveux, enfin je vois les détails, mais... Ah oui, j'ai oublié la houppette derrière. Hop là. Ça pourrait faire un sacré avatar, hein. Hop. On avance. Par contre, en portrait comme ça, c'est pas mal. J'aurais sans doute le temps de faire les deux. Je pourrais peut-être faire Baptiste aussi après. Par contre, je sais pas si je le mets ou pas. Peut-être pas le mettre. Garder un peu l'effet cartoon quand même. C'est le but. Moi j'ai mis ton dessin en avatar Discord, ouais j'ai vu, mais j'aime trop. Elle a eu du succès ta photo d'ailleurs sur Insta. Hein. C'est une des photos les plus likées de mon Insta. Hop. Je vous remets, attendez, je vous remets. Petite image de rappel, hop là. Par de là. Sachant qu'en plus la photo est légèrement contre-plongée et que je le fais de face, donc... Ça change un peu le truc, mais... Bon, je sais pas si tu vas vraiment te reconnaître, Jig, sur, la... sur le dessin, mais bon. Parce que je suis trop BG, moi. C'est ça, t'es plus beau gosse. Tout à fait. Évidemment. D'ailleurs, j'ai fini mon dessin dont je vous ai parlé la dernière fois. Si vous voulez, je vous remontrerai en une frame.
Un truc qui va pas. Ouais, pas pris. Je suis pas là pour te faciliter la tâche avec la contre-plongée, c'est clair. Non mais c'est bien, ça me donne des challenges. De toute façon, après je reprends surtout les caractéristiques principaux et l'expression, quoi, mais... C'est peut-être un peu abusé, là, mon... Ouais, c'est même plus un des yeux rieurs, c'est... des gros joues que je fais, quoi. Hop, plus 20 kilos direct dans les pommettes, je te jure. Je te jure que c'était pas voulu. Si jamais tu refais des soirées comme ça, je te ferai une photo avec un peu plus de mise en scène. Bah franchement, carrément. Hein. Carrément. De toute façon, j'en referai des soirées comme ça, c'est sûr. Surtout, en ce moment, ça m'arrange bien, parce que vu que j'ai des trucs à faire en parallèle, ça me demande pas énormément de préparation, mais et en plus, ça me permet de dessiner en live et de parler chill avec vous et tout. Et puis ça me laisse le temps de préparer des lives un peu plus gros, on va dire, avec plus de préparation en amont. Donc oui, en plus avec les points de chaîne. Et d'ailleurs, j'ai augmenté le niveau de points de chaîne, ouais. Comme vous m'aviez conseillé. Donc j'en ferai d'autres, c'est sûr. Donc après, je suis carrément partante pour qu'on m'envoie des photos, même juste avec des mises en scène et tout, rigolotes et tout. Ça peut être un super exercice. Pour moi, comme pour ceux qui veulent dessiner en même temps sur le live, quoi. Ouch, pourquoi ouch d'ailleurs? Est-ce qu'on comprend bien? Peut-être l'accentuer plus le sourire en fait. C'est peut-être mieux. Vraiment une caricature à fond. 50 000 points de chaîne, oui. Bon, après, il faut. Sinon, tu vas te retrouver à 15 000 dessins à faire. Bah, c'est ça le truc. C'est que. Apparemment, ça monte assez vite, m'a dit. Moi, je fais jamais attention aux points de chaîne. Du coup, voilà, on m'a dit c'est bien pour ne pas mettre trop bas, parce que c'est vrai que si je me retrouve avec 15 000 commandes, ça va être compliqué à suivre. Bon, après, il y a des. Comment dire, il y a des gens qui ont des passe-droits, tout à fait. De toute façon, si jamais j'ai besoin, je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Puis même si de votre côté vous faites des photos, des dessins, des trucs qui pourraient même m'inspirer pour des lives, n'hésitez pas à me les envoyer. Hein. Parce que après, ça, je les enregistre dans un dossier, et puis le jour où j'ai besoin pour un live ou quoi, ben, moi j'ai une banque d'idées qui vient de vous. Et pour dessiner. Hop. Je pense qu'on va faire la barbe à la fin comme d'habitude, hein, parce que c'est la partie la plus relou. Salut Exter, comment tu vas? Tu fais des animaux caricaturés aussi? Eh bah écoute, j'ai jamais fait les animaux, ça peut être une idée. Jamais fait, ouais. Sachant qu'on a les photos d'Extark d'ailleurs aussi. Hein. Si jamais on a le temps de faire Baptiste et Jix, enfin Jix plus Baptiste ce soir, on pourra faire Extark la semaine prochaine. J'en connais une qui va y passer. Tu parles de Luna? Genre une autre, je viens de finir de bouffer et je crois que je me suis débarrassée de mon blocage du bide. C'est-à-dire. Ah oui, Oli, ton chat?
diaphragme va mieux visiblement. Ah, c'est que tu t'es tapé un fou rire en regardant mon dessin? Je vais essayer de faire, attendez, les sourcils, je vais essayer de faire un truc plus légèrement, parce que il y a une légère expression avec les sourcils, c'est très léger, mais je vais essayer de l'accentuer un peu. Voir si j'arrive à faire un truc. Faut faire un dodo caricaturé, j'avoue. C'est pas déjà hyper caricaturé comme animal, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a une légère expression. C'est très léger, mais d'ailleurs, si je l'accentue comme ça, ça peut être sympa. Non, j'avais une espèce de blocage chelou au niveau de mon diaphragme, mais j'avais l'impression de pas respirer à fond. Ah, ok, d'accord, en fait, j'ai cru que. J'ai cru que c'était grâce à nous, c'est pour ça que je comprenais pas. Genre mini L gros bec bedonnant, c'est vrai que c'est déjà un peu caricaturé. Bon après tout on l'a fait twerker hein. On l'a fait twerker le dodo après tout. Alors attendez, je vais tenter un truc. Est-ce que je peux faire un truc avec ça? Attendez, je regarde un truc hein. C'est pas grave. Je voulais voir pour le remettre, mais. Ouais, il y a une mini expression comme ça. Peut-être un peu exagéré, mais. Pour accentuer le côté sourire en coin un peu charmeur, ça peut être marrant. Mais du coup. Et on va le faire normal. Tant qu'à jouer la caricature, autant le faire à fond. Hop. C'est presque ça. Je suis pas loin. Je suis loin d'arriver à faire ce que je veux. Bidouille. Est-ce que je laisse les sourcils comme ça? Attendez, je vous mets la photo à côté. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que là, c'est parce que c'est vraiment très subtil hein, sur l'image. Ouais, elle est peut-être un peu trop violente sur mon dessin. Je sais même pas si vous allez voir la même chose que moi. Que mon œil aguerri, n'est-ce pas? Meuf se jette des fleurs, hein, tout va bien. C'est normal. Je pense que c'est un poil trop quand même. Peut-être juste si je baisse le sourcil un petit peu. Peut-être plus ça. Peut-être mieux.
En fait, dites-moi si ça bug toujours ou pas. Parce que je vois que j'ai encore des problèmes d'encodage, mais j'ai fait des changements. J'ai fait des changements sur les paramétrages et tout. Donc normalement, c'est censé être mieux. Moi ça bug pas? Ok cool. J'étais en train de checker en même temps sur mon téléphone. Pour être sûr. Bon après là je dessine donc ça demande moins de ressources que quand je joue à Hades mais... Mais bon c'est con de payer 700 boules pour une carte graphique si c'est pour que ça marche pas derrière quoi. C'était un peu con. Hop. Je pense que je vais garder peut-être les sourcils comme ça, oui. L'expression. L'expression marche pas trop mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. La barbe après, comme d'hab. Les cheveux! Hop.
Hop. De toute façon, après, on fera le cerné après en couleur, comme j'ai fait la dernière fois. Moi, je le referai par-dessus, je pense. Ma copine rigole à chaque fois que tu t'attaques à mes cheveux, elle aime pas ma coupe, flemme d'aller au coiffeur. Je suis d'accord avec elle, mais j'assume moi. Je comprends, je comprends. Bah du coup, remarque, c'est une belle marque de fabrique au moins. C'est une belle marque de fabrique, hein. Si grâce à ça on te reconnaît, c'est chouette, hein. Remarque, si ta copine rigole, c'est que c'est réussi. Toujours pas comment je vais faire la barbe. Hein. Je tente des trucs, mais vraiment le non, la partie relou. Ah. Je sais plus dessiner, ça y est, je sais plus faire un truc symétrique. Je pense que je vais faire un système presque de pointillé, quoi. Comme ça. Maintenant, on s'attaque à la barbe flemme de se raser. C'est tout en mode flemme, en fait. Ouais, si je fais ça, aussi. Prendre avec le. C'est pas mon genre. On se demande. Je pense à la fin si ça marche. Il y aura la couleur de toute façon. Comme dans les mangas. On s'approche, on s'approche. Ah, on va essayer de faire un truc un peu plus précis quand même. C'est la musique des souvenirs, ça. Il y a moyen de faire un truc. Avec la couleur, ça peut le faire. On va passer au cerné couleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On met l'image de référence. Tout toi,
Jix, n'hésite pas à nous donner tes impressions, parce qu'après tout, c'est toi le protagoniste. C'est plutôt réussi, je trouve. Ah, c'est gentil, merci. Ah, on va pouvoir passer tranquillement à couleur. Je pense que je vais avoir le temps de faire les deux, hein. Je suis mis en caricature. Ah là 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 là. Par contre, je pense que je vais faire un truc de... Je vous caricature pas si vous rabaissez. limite, dans les yeux, enfin, je suis obligée de refaire un petit peu. Qui vont changer. Fais-toi plaisir. Soit j'aime beaucoup le petit sourire en coin, bon ça va. C'est que l'expression est réussie. Ah, les couleurs, je pense que je vais reprendre globalement, comme j'avais fait avec Mikyu. Pour qu'on quand même, parce que déjà qu'on dénature quand même beaucoup la forme du visage et tout. On vous reconnaît quand même. Sauf si tu as des choses particulières, évidemment. Je ne rabaisse pas, c'est surtout que le travail est qualitatif. Ah, c'est gentil ça, merci beaucoup. Très gentil. Ah. Les sourcils et la barbe. Attendez, je vous enlève l'image. Sur la photo, alors juste sur les couleurs, faut éviter le ton roux pour les cheveux et barbe. Oui, j'allais te poser la question justement, parce que sur la photo, vu qu'elle est un peu floue, il y a une lumière jaune. Je sais pas, est-ce que t'as les cheveux roux ou c'est juste qu'ils sont genre châtains avec des reflets? N'hésite pas à m'aiguiller. Ils sont blonds, peut-être. Ça ferait trop plagiat, Cyril. Bah, après, si c'est ta tête, c'est ta tête, hein. J'ai une nappe noire. Donc je te fais. Bah, est-ce que je te fais je peux te faire un roux blond. Bah, j'essaie de trouver une couleur. Châtain, ils sont châtains tes cheveux, ok. Parce que c'est vrai que sur la photo, on sait pas trop la couleur avec la lumière qu'il y a dessus. S'ils sont châtains, on va partir. Tu as un cerné comme ça. Cerné. Ah si, j'ai oublié un truc. Attends, le truc c'est chiant ce pinceau des fois, c'est que... qu'il est en fonction de l'appui. Voilà, je trop tôt, ça fait des bouts pas ouf. Thank you.
Je pense que je vais séparer la barbe et les cheveux. Que ça va pas être simple. Peut-être quand même les coller. Je regarde parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Moustache. Le stream du calme et de la zénitude. Ouais, avec cette musique en plus, laisse tomber. Ça fait du bien, un peu de calme de temps en temps. En plus, là, c'est la musique de Cocorico. C'est le village. C'est un village que j'adore dans Zelda. Je me dis, putain, j'aimerais tellement vivre dans un endroit pareil. Ça a l'air juste zen et tranquille et tout. La nature. On n'est pas très bavard ce soir quand même. N'hésitez pas hein, si vous voulez discuter. Et puis en plus je commence à re-avoir mal au dos. Hop. J'ai mon poncho qui se barre. J'ai froid en plus. Là je suis en mode... Vous voyez pas l'envers du décor. Mais là je suis en mode... J'ai mis le jogging avec les chaussettes. Qui ne sont pas évidemment les mêmes, tu vois. Tu es éclaté, alors je suis le stream sous la couette. Posé sur mon... Ouais c'est ça. Parce que là j'ai le dos qui recommence à me faire mal. En mode pilou pilou. Parce que j'ai froid. Je suis sous le plaid. Ça va, on est tous raccord sur l'ambiance chill de la soirée du coup. Thank you.
plus là c'est cerné, ces trucs un peu en mode déprime d'ailleurs. On essaie de trouver un créneau pour aller en Savoie, mais c'est compliqué avec mon emploi du temps en grue. Bah je comprends, ouais. La déprime de l'hiver, tu veux dire? Ce truc là, c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu comme ça aussi, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rester chez moi, à geeker, à pas sortir. J'ai besoin d'air pur, je comprends. Plus de retard sur mon travail du coup vu que je suis pas motivée. Ouais, on est tous un peu pareil je pense hein. En ce moment. C'est pareil. J'ai plein de trucs, c'est pareil, j'ai plein de projets que je dois finir, des trucs que j'ai envie de faire, qui prennent du retard parce que j'ai la flemme de tout. Tricher hein, pour le bas, hop là. Ça. Vois le bout, on voit le bout. On va passer à la couleur. Avant, je bois un coup. Je m'étire un peu, ouais, juste. Ou changer de position, je sais pas. D'être vieille. Hein. Et puis en ce moment, il fait un froid de canard, tout à fait. C'est vrai qu'il fait froid, c'est un truc de fou. À tel point que j'ai dû allumer mon chauffage. C'est pas peu dire. Alors, je suis pas quelqu'un de frileuse, du tout. Et en plus j'habite au 6ème étage donc du coup souvent j'ai pas besoin d'allumer mon chauffage parce que je suis chauffée par les voisins. Surtout que j'ai des mamies dans l'étage qui chauffent bien quoi. Et là j'ai dû allumer un petit peu quand même une petite heure pour réchauffer l'appart parce que vraiment il faisait froid quoi. Même la pinou quand je faisais des caresses avait les oreilles toutes froides bichette. Alors j'ai fait ok on va allumer le chauffage. Si même le lapin a froid, on va allumer. Ma froid de canard, sauf qu'on se les pèle. Voilà, j'avais pas relevé la blague. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, là-dessus, on va passer à la couleur. C'est par ses cheveux châtains, n'est-ce pas? Faut que je trouve un châtain. Si, je me suis sentie très seule pendant un instant. Mais surtout que je l'ai pas du tout. En fait, j'ai juste cru que tu appuyais le mot. J'ai pas compris sur le moment la blague. Je suis désolée. Tenter cette couleur, voir ce que ça donne. Puis on va après. Hop. Peu trop foncé. T'as bronzé, Chix, soudainement. Ah.
Hop là. La chanson de Mifa. Ça commence à prendre forme. Ah mais j'attendais, j'oublie un truc important quand même. Est-ce que vous aussi vous vous sentez presque sur le point de vous endormir entre la musique et le fait que je parle pas? Il y a un côté presque ASMR dans ce live, non? Kiffé ou c'est chiant? Dites-moi. Hein. La musique est douce, ouais, j'adore. Un peu, oui, mais tout le monde s'endort. Je sens qu'on va être. Tu sais, j'imagine trop le truc, on s'endort tous devant l'ordi. Et du coup, au final, je fais un live de, je sais pas, de 8 heures, avec une moyenne de 6 viewers, parce que tout le monde s'est endormi devant et a pas éteint. Moi, je reste debout jusqu'à 1h du mat. Pourquoi tu restes debout jusqu'à 1h du mat? Je fais ma sieste de 20 minutes avant le live, du coup ça va. Mais en plus, c'est vrai, je t'avais dit, mais un réveil! Hop. Merde. Est-ce que j'ai pas fermé? Tu fais des siestes à 21h? Il y a un nouveau perso sur Wild Rift qui sort. Ah oui, ok, je vois. Je me doutais que c'était quelque chose de genre. Trop.
côté trop mims. Je pense que j'aurais presque dû recadrer un peu. Je l'agrandirai à la fin. Gommer mes traits. Dernier bug. Et la basse couleur est finie. Je passe sur Instagram et trois posts suivants, c'est les sorties make-up Saint-Valentin et ça me rappelle à quel point je suis seule. Bah écoute, hein, moi aussi, hein, et pourtant ça va, hein. Je vis bien. Je vais peut-être me faire une Saint-Valentin avec moi-même. Ou avec Link. Tiens, je me ferais peut-être Saint-Valentin avec Link. De toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête hyper commerciale créée pour t'inciter à dépenser. Et il n'y a pas besoin de dépenser pour trouver son amour. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, moi, par exemple, j'ai jamais fait de cadeau à la Saint-Valentin. Mais j'étais plus. C'est plus l'occasion de faire une attention. Genre, faire un repas spécial ou un truc comme ça. Mais j'ai jamais été trop, genre, pour faire un cadeau particulièrement. Mais plus pour une intention, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, un truc qui me chiffonne encore avec la moustache. Comme j'ai déformé la bouche. C'est les radins qui disent c'est commercial. Rose, un beau repas, un massage. Putain, un massage là, j'en aurais bien besoin là tout de suite, vu comme j'ai mal au dos. Je vais retoucher vite fait la moustache parce que. C'est que poil plus bas. Salut Bloody, comment tu vas? Je vais faire ma Saint-Valentin avec le réparateur de chaudière, ma belle-mère et ma copine. Ah, c'est pas mal comme Saint-Valentin aussi. Peu original. Ici aussi, faut que je descende un poil. Faut que je descende un poil. Je vous jure, j'ai pas fait exprès de faire ce jeu de mots. Une rose blanche et mon cœur est conquis. J'arrive à faire une moustache qui me convient. Plein de jet lag sans pour autant être allé plus loin comme on lit. Et ben pour le coup, t'es sur le bon stream pour ça, parce que là on est en mode chillax de dodo quoi, c'est limite si on s'endort pas. Est-ce que c'est censé être un bon poids pour moi? Je ne suis pas sûre, mais écoute, je décide de bien le prendre. C'est le live repos.
ça reste toujours déformé, mais à voir avec un petit peu d'effet de lumière et tout ce que ça peut donner. Attendez, je vous remets. Enfin, les ombres et les lumières. Image. Avant, après. Tant que je m'étire un peu. T'as mis la musique pour, en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai mis Zelda parce que j'aime trop. Et du coup, ouais, c'est très zen comme musique. C'est vraiment très zen. Putain, je suis con, je suis en train de me dire. Là, je vais vous dire ce que j'étais en train de me dire. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, putain, j'ai mal au dos. Il me faudrait trop un truc pour caler dans mon dos, là. Après, dans mon esprit, ça arrivait à. Tiens, il faudrait que je pense à m'acheter une chaise de gaming et à changer ma chaise de bureau toute pourrie. Et après, je me suis dit, ah, tiens, c'est con, j'aurais dû demander ça à ma famille pour mon anniversaire. Plutôt qu'un micro-ondes. On le reconnaît, je trouve. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. Fait plaisir. Je prends 5 minutes là juste pour reposer mon dos. J'en peux plus. Putain, j'ai hâte demain. Demain, mon rendez-vous chez l'ostéo, je vous jure, ça va me faire du bien. Oh. Je me reconnais aussi. Ah bah, si tu te reconnais toi-même, ça me fait plaisir. Hop. On va passer un peu à l'ombrage, tout ça. La photo ou pas, parce que merde, tablette est bug. Voilà. 40% pour l'instant, on verra après. On dirait une photo. Bah, tout à fait, exactement. C'est une photo. Si je triche, parce que si je suis la photo vraiment un côté très ombré, je vais faire un simili, je peux appeler ça comme ça, pourrait être si je suis vraiment la luminosité, enfin l'ombrage de la photo. Marqué quoi. Que ça peut le faire. Moi, je peux plutôt me faire côté Uber noir. Oui, après, je vais pas non plus accentuer à ce point, mais c'était de faire un côté très.
peut-être que je fais un côté très lumière marquée ou pas, quoi. Allez me dire, pensez que ça fonctionne. Après, bon, c'est un peu caricaturé, forcément. Ça peut être pas mal aussi, ça change un peu. Hop. Cela dit, ça accentue peut-être un peu l'expression aussi. Peut-être pas mal. Ça. Ça pourrait faire un effet de cheveux comme ça. C'est un truc plus design, donc ça colle avec le style. Comme ça.
crois que ça fait un éclairage hyper hyper travaillé finalement. Ça fait un côté très je sais pas comment dire ça. Ouais, un peu travaillé quoi. Pas mettrait. Putain. Je vais dormir 1 heure et je reviens après, je suis trop crevée, ça marche. Bonne sieste. Bonne sieste, thank you. J'ai réussi à t'endormir, c'est chaud quand même. Pas trop m'emmerder sur le sweat, de toute façon on va recadrer après. Bon, c'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi. Rajouter un peu de lumière, faire les reflets dans les yeux et on est pas mal, hein? Mettre un fond aussi. C'est joli? Merci. En fait, ça va, j'étais sceptique au début sur le placement des ombres et en vrai, je trouve que ça marche bien. Et après, ça critique mes siestes à 21h, je te jure. C'est pas... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? Mettre un truc un peu froid parce qu'on a des couleurs quand même plutôt chaudes. C'est quoi ta couleur, Jix? Ta couleur préférée, dis-nous. Tu descends quand sur Orléans? Je sais pas. Je descends à Blois déjà le week-end du 12 février. Après, je sais pas. Je sais pas du tout. Violet ou vert? Ah, comme moi. Tout pareil. Genre moi, mes couleurs préférées, je vais vous montrer. C'est genre ce violet-là. Et ce vert-là. Couleur préférée. Copeng. Les copeng de couleurs préférées. Ou noir, mais c'est bof. Après, là, c'est sûr que sur fond noir, ça va poser problème, quoi. Vert à voir. Si on trouve un beau vert... Ça peut être chouette. On part sur des tons comme ça avec un petit effet dégradé. Violet ça peut être sympa aussi. Oh, je sais pas. Violet Twitch ou vert acidulé. Ouais, c'est exactement ça. Ah, celui-là, violet Twitch, remarque, ça passe. Vert. En gros, c'est le même ton, mais pas la même couleur. Dites-moi lequel vous préférez entre vert, violet. Vert. Vert.
En violet, il passe bien quand même. Je pense que j'ai peut-être une préférence pour le violet quand même. En plus, c'est une couleur froide. Du coup, ça contraste avec les couleurs chaudes du dessin. Ça le met un peu en avant. Violet Twitch, ouais, ça, moi j'aurais mis ça aussi. Ok, on part sur violet. Ajouter quand même un petit effet de dégradé. La profondeur. Ça, je fais l'inverse en mode clair-obscur. Je vous avais expliqué la dernière fois. Pour accentuer. Après, je verrai, je rajoutais peut-être un petit filtre à la fin. J'ai envie de tenter un truc. Parce que je vais partir sur un truc comme ça. Merde. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah putain, excusez-moi. Voir si je rajoute un petit effet. Glow. Pour sentir que la lumière elle arrive par là quoi. Faire gamers, tout à fait. Si j'inverse, je me dis qu'après je peux faire un petit effet peut-être. Donc à faire, autant s'amuser. Luminance. Effet shiny. On va voir si on le garde à la fin, mais peut-être gommer ce trait ici parce que c'est bizarre. Un petit côté Chine, tu vois. Bon, on verra à la fin si on le garde. Et là, on va rajouter un peu de lumière. Sachant qu'on n'a pas mis de lumière dans les traits non plus. Puis on n'a pas fait les yeux. On n'a pas fait les reflets dans les yeux. On arrive au bout. C'est moi la star, pas la lumière derrière, j'avoue. Non mais justement, tu vois, c'est pour faire ressortir. Parce que je voudrais faire une lumière colorée pour accentuer l'effet d'ambiance, mais je vais pas prendre ce pinceau finalement. Je pense qu'il faut plus que je parte sur un truc comme ça. C'est que ça dénote avec... on va y arriver, on va y arriver. On va trouver un truc. Pas sur du noir, forcément. Pas. Alors je la joue vraiment colorée.
Juste quelques traits pour voir ce que ça peut donner. Qu'un trait par-dessus. Différentes. Hop. Alors. Densité couleur, c'est pas mal. Comme ça pour l'instant, après sur la peau ça se voit pas de fou quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est les couleurs aux parties qu'on dessine. On aura le choix. C'est un poil rose quand même. L'idée c'était plus de faire des lumières de soleil vu que c'est le fond est vieux. Ça. Je pense que je vais y aller à l'ancienne parce que j'arrive pas à trouver un truc qui me convient. Je fais ça. C'est qu'elle est un peu froide cette ombre. Cette ombre, c'est pas une ombre d'ailleurs, c'est une lumière. Hop. Ça va rester assez léger. Typiquement, abusé. Donner un peu de relief là-bas. Thank you.
Est-ce que ça a marché sur test? Change un peu. Voilà. Je pense sur la peau, ça va pas se voir de fou. Ah, c'est quand même. On a ajouté, ça se voit. Pointe de lumière. C'est par là. Pas mal. Si ça donne quoi? Non, c'est trop. J'aime bien parce qu'il y a un côté simple mais efficace. On va juste les yeux. Je vais tenter un truc. Une petite technique compositing. On va voir ce que ça donne. Accentuer l'ambiance colorée.
mes goûts. Je vais y aller. Je dois bosser une illure pour un cours. J'essaierai de revenir à un tel avis. Bah, merci beaucoup, Coco, d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. J'espère que cette petite soirée t'a plu. Je suis très contente que tu sois revenue nous voir. Et bon courage pour ton illu. Regardez cette petite effet d'ambiance, comme ça change tout. Tout de suite, ça donne plus de profondeur. J'essaierai d'être plus présente. Oh, t'inquiète, de toute façon, viens quand tu peux, hein, y a pas de soucis. Gros bisous, Coco. Hop. Je trouve ça rend bien avec le petit effet, le petit filtre par-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Attendez, je vais tenter quand même. Voir si je augmente un peu. Le avant, après. Hop. Attendez, je vous remets l'image de base. Hop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on est, on est sur une fin de... Peut-être un poil. Hop. Celui-là, un tout petit peu plus aussi. Bon travail, GG, merci. C'est cool. Ah, c'est cool. Jix, dis-nous ce que t'en penses, ça te va. Le avant-après de Jix. J'aime beaucoup, merci pour tout, mais de rien. Je te l'enverrai sans doute demain, je pense, dans la journée. Bon, il est pas si tard. Est-ce que tu veux que je fasse le tien maintenant, Endo? Je rajouterai peut-être les cheveux de l'autre côté du cou. Ah, du coup, ouais, je sais pas, parce que comme j'ai caricaturé, tu vois, je me suis dit ça fait un côté un peu manga. Je kiffe les lumières dans les yeux. La petite spécialité de mes yeux extraterrestres. Cela dit, attendez, si, avant j'ai une dernière chose à faire parce que... Un truc que j'ai pas fait dans les yeux. Je vais voir si ça marche si je le rajoute. C'était pas le bon pinceau. Je rajoute des petites ombres là sur les... Pour prendre bien l'arrondi parce que... Ça marche. Ouais. Très léger, mais c'est histoire qu'on comprenne que... Ouais, je sais pas si ça marche. Je me sens en fait. Je préfère ça. C'est très bien aussi comme ça, ça marche. Je donne juste ton avis, tu fais mon avis, tu fais comme tu veux. Non mais t'as raison de dire, hein, y a pas de soucis. Au contraire, moi je prends. Hein. Je prends les avis. On va passer à notre ami Endo, deuxième star de la soirée. Oh, t'as accroché mes perles, ça rend trop bien. Oui, t'as vu, oui. Dans ton cadeau de Noël. C'est le... Attendez, je me trompe pas de doigt. Hop là, les caméras inversées. C'est ce truc là, ici. C'est Megu qui me l'a fait, qui me l'a offert à Noël. Ça rend trop bien dans mon décor. Ça, plus elle m'a offert avec les statues. Ils sont là, là. Attendez, je vais vous en montrer une de plus près. Elles sont trop classe. C'est des petites boîtes comme ça. Style Égypte. C'est trop beau. Hop là. Alors attendez, on va d'abord commencer. Attendez, est-ce que... j'ai une idée.
Bah, je passe en gonna talk. Avant de passer à Endo, parce que j'ai fait des motifs sur le dessin que je vous ai montré la dernière fois, je vous fais une fraction de seconde dessus, comme la dernière fois. Pour ceux qui savent, reconnaîtront dans le chat. C'est parti. Ah merde, attendez. Hop là. Des petits trucs. Alors, je vais créer une nouvelle. C'est bien, j'aurai deux dessins à poster cette semaine, je les espacerai. Classe, merci beaucoup. Hop, et on va passer. Notre ami. Oui, Mégou, tu l'as reconnu. Surtout qu'à toi, je t'ai pas envoyé le dessin et tu connais pas mon projet autour de ce dessin. Faudrait que je t'en parle, je te raconterai. Donc, toi, je savais que tu reconnaîtrais. Ça me fait plaisir, du coup. Alors, notre ami Baptiste. Trop bien, non, je connais pas. De quoi? Ah oui, mon projet. Après ça, je vais le retirer ici parce que j'en ai déjà parlé, mais. Attendez, avant, j'emporte la photo. Notre ami Baptiste ici présent, regardez-moi. Oh là là, il est trop adorable. Donc on va caricaturer Baptiste. Encore de la barbe, comme vous pouvez le voir. Mais cette fois, il y a des lunettes. C'est pas de marrant. Reflatteuse, dit-on. Belle barbe, monsieur. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Hop là. Alors, attendez, faut que je me mette de mon côté aussi. On va voir la photo. Hop là, parce qu'après, je vous l'enlève. C'est parti. Deuxième caricature de la soirée. En même temps, je vais raconter à mes goûts. Du coup, qui n'est pas au courant. Merci. Merci, les vacances en Bretagne. Ah, c'était en Bretagne, du coup? Mon projet, c'est que. Récemment, je regardais un live de Ponce qui faisait référence à la soirée qu'ils ont prévu de faire, retrouvailles de Donatien. Miguel et Fab dans une soirée. Et comme j'ai adoré le RPZ, en fait, quand il en parlait, j'imaginais les retrouvailles des trois personnages et j'ai eu envie de les dessiner, du coup, je les ai dessinés. Et l'idée, c'est de faire un truc que je kiffe et comme ça, ben, je le posterai au moment où ils annonceront la soirée. Dis que si ça se trouve, peut-être qu'ils le vont savoir. J'ai de la chance d'habiter en vacances. Aller à Perros-Guirec. C'est superbe. Je crois que je suis jamais allée là-bas. Alors, Trémy. Putain, à chaque fois, je le... Oula, j'ai... Oula, ça y est, je suis fatiguée, je sais plus parler. J'ai le réflexe de partir sur un truc... T'enverrai mon dessin, Mégou, tu me diras. Évidemment, on déforme. Alors attendez, parce que là, il y a un côté plus... Presque 3 quarts. Tout à fait. Parce que là, il y a l'oreille. Bon, je place l'oreille, hein, mais j'en fais pas. Moi, je décidais que c'est ça. Hop. Granit rose et le golfe du Morbihan. Je suis déjà allée dans ces régions-là, mais j'ai pas vu beaucoup de choses. En vrai, je suis pas allée beaucoup non plus. En fait. Super là-bas, la mer est trop froide pour la plupart des touristes en plus, donc on est tranquille. Tu t'es baignée, toi? Hop. Ok. C'est deux.
Caler ça. Ça que je sais pas si je veux le faire, on verra, mais... Bon. Et... Hop. Petit sourire. On va avoir de la barbe à caler. Alors c'est là qu'il va falloir que je joue, parce que... Essayer de faire un truc comme ça. Oui, même pas peur, 17 degrés. En vrai, ça va, 17 degrés, je l'ai déjà fait. Ce serait peut-être bien de voir la photo en même temps pour l'évolution. Bah, en fait, du coup, ce qui est chiant, c'est qu'elle prend la place. Alors, ce que je fais, c'est que je la remets de temps en temps. Je la mets pas tout le temps, sinon ça c'est un peu de place. Mais après, si vous voulez la voir, vous me dites, je vous la remets. Hop là. Pour l'instant, forcément, il n'y a pas de trop de ressemblance. Hop. Prendre lunettes pour la caricature. Hop. C'était un peu plus 3 quarts. Cette musique, je vais la changer. Donc on tourne un peu en rond. Je vois ce qu'il y a plus bas. On va changer de playlist. Qu'est-ce que je vais mettre? On va remettre cette playlist. Jamais, pas grave. Je suis dormir, bon courage pour ton dessin. Merci beaucoup, Junking. Ouais, je le mettrai. Bah, je le mettrai pas demain sur Insta. Je pense que je mettrai demain Jix et puis après-demain peut-être ou dans 2 jours celui-là. Bonne nuit, Junking, en tout cas. Merci encore d'être passé. Chiant de pas faire d'oreille. Faut que je te raconte, Angona. Faut que tu me racontes quoi? Alors, je sais pas si vous arrivez à distinguer quoi, si tu veux. Distinguer grand chose dans mon croquis. Ah, je trouve qu'il y a de l'idée, non? Vous en pensez quoi?
ce premier croquis. Sachant que les cheveux en vrai. Putain, la moustache! Merci! Je me disais en plus il manquait un truc. Attends, avant. C'est juste de recréer un petit peu les effets de mouvement de tes cheveux. Ouais, c'est le bordel à mes cheveux, je sais. Hop. Ça, j'ai une idée de mouvement. Putain, mais j'avoue, la moustache, quoi. Hop. J'ai peut-être fait un peu trop le sourire... Mercredi dernier, je vais chez une personne âgée. Il se trouve qu'il y a son fils et sa femme, donc la belle-fille de la dame. Je fais mes trucs, ménage, etc. Et au bout d'une heure, j'ai fini. Du coup, vu que la vieille est avec la kiné et qu'elle m'avait dit de voir avec sa belle-fille, je vais voir la belle-fille. Ok. Que se passe-t-il ensuite? Le suspense est à son comble. Je pense qu'il y a un truc là, hein, sur ce... T'en penses quoi, Baptiste? J'ai peut-être fait ici. Genre là, je pense que je suis partie trop... Je sais pas de sa tête. La musique est changeante. Ouais, ouais, là j'ai changé un peu la musique. On va pouvoir passer... deuxième étape. Hein. Affiner tout ça. Attends la suite, mais bon, je vais être en train de vous écrire un roman. Je lui demande ce que je peux faire. Elle me dit il n'y a plus rien à faire, tu peux y aller. Je lui demande si elle est sûre, elle me dit que oui, donc je me casse sans dire au revoir à la vie parce que je voulais pas déranger la cabinet. Sans la couille venir. Hop. Ah, en vrai les sourcils sont peut-être un peu plus bas. Cette histoire, t'as pas dit au revoir du coup elle t'en veut, ouais c'est ce que je me demande aussi. Ça ou du style la belle fille lui a menti parce que t'es partie et elle aurait menti. Je lui ai jamais dit de partir, je sais pas quoi. C'est sûr, c'est la belle fille dans la cuisine avec le chandelier. La belle fille dans la cuisine avec le chandelier, j'ai pas la ref.
live pour lire la suite. Ça. On avance. 10 minutes plus tard, je reçois un appel de mon entreprise qui me demande pourquoi j'ai fait qu'une heure. Je raconte l'histoire et ma patronne me dit la vieille vient de m'appeler énervée parce que t'as pas fait tes deux heures. Elle se demande pourquoi je suis partie au bout d'une heure. J'étais là genre, mais what the fuck. Ouais. Deuxième phase de brouillon terminée. Écoute Baptiste, t'es rapide à dessiner. Ça qui est bien. Avec deux sourcils aussi. On va passer à l'étape suivante. Cerné. Sourcil droit, on dirait un chichon. C'est quoi un chichon? Après là, je l'ai fait en mode... Ah oui, je dis un pet, pardon. Du coup, j'ai expliqué la situation et ma patronne me dit ça m'étonne pas. Il y a des aides à domicile qui ont chopé le Covid parce que la vieille n'a pas signalé que son mari l'avait. Et hier, il ne peut pas ignorer une aide à domicile qui est venue. Mais avec moi, ils sont trop gentils, ils ont discuté, etc. Du coup, chelou cette famille. Bah ouais. Chelou complet, ouais. Je me fais insulter parce que je sais pas. Ça me rappelle une anecdote que j'avais vécue quand je bossais en tant qu'aide à domicile quand j'étais étudiante. Une fois, je débarque chez une mamie et son mari, tu vois, sachant que la mamie était complètement... la mamie était en pleine forme en fait, hein. elle bougeait tranquille, voilà. Normalement, mon rôle en tant qu'aide à domicile, c'était de faire les choses qu'il ne pouvait pas faire. Vraiment de laver son mari. Plaisir, je crois, ça aussi. Et j'avais genre une heure et demie, deux heures, je débarque et la mamie me sort, mamie en pleine forme, hein, vraiment, mamie bonasse quoi, vraiment. Genre la belle-fille était à domicile aussi, elle m'a donné plein de conseils pour lui. Attends, de quoi attends? Ah, t'as pas fini ton histoire, c'est ça?
Hop. Petit peu épaisse l'histoire. Raconte-nous vite alors. Je te mets la pression. Allez, dépêche-toi. Est trop forte par rapport à ta voix, on a du mal à t'entendre. Ah! Attendez, c'est le son. Je sais jamais les réglages, je passe mon temps à les changer parce qu'un coup c'est pas assez fort, un coup c'est trop fort, c'est un enfer. Là ça devrait être mieux normalement. Et vu que ça a l'air intéressant ce que tu dis, vaut mieux t'entendre, c'est mieux, merci, c'est adorable en tout cas. Hop. Je vais reprendre mon histoire. Gros, voilà, j'étais aide à domicile pendant un temps. Et un jour, donc, je vais chez cette chez mamie et papy, donc mamie bonasse, hein, clairement, mamie en pleine forme, mamie legging et slim, jean slim, tu vois le délire quoi. Sinon j'ai fini au sort. T'as kiffé faire ça, moi j'ai détesté. J'ai pas du tout aimé l'expérience. Sachant que je suis tombée quand même sur beaucoup de familles très cool et tout. Mais j'ai pas du tout aimé quoi. C'était vraiment pas mon truc. Et puis donc je vais chez cette famille. C'était pas la première fois que j'y allais, je crois que c'était la deuxième ou troisième fois. Et puis j'arrive. Je vois la mamie avec son sac. Puis elle me sort. Oui, je vais faire du shopping. Alors, je veux que vous vous occupiez de laver, nettoyer les placards de la cuisine, laver la cuisine, passer l'aspirateur si vous avez le temps. Faut que vous laviez mon mari, que vous le fassiez manger. Et là, une machine à faire aussi. Ok. Je bronche pas. Je me dis c'est bizarre parce que normalement, mon rôle c'est d'être là pour le mari, tu vois. Je dis bah, je vais faire ce que je peux, quoi. Je me dis oui, vous inquiétez pas. Ok, ok. Je te dirai après ce que j'ai pas aimé. Je m'excuse, c'est-à-dire que d'abord je m'occupe de son mari. Il fallait que je le lave, que je l'amène à table, je lui fais à manger, je le fais manger. Tout ça, déjà ça me prend bien 1h30. Je passe un peu de temps avec lui. Quand je dis un peu de temps, tout en rangeant la cuisine en plus, ça nettoyait les placards. Entre temps, la mamie elle rentre. Donc, tout ça, il se passe 1h30 quoi, tu vois. Elle arrive, et puis elle m'engueule. Elle me dit ouais, vous avez même pas passé l'aspirateur, en plus vous avez pas lavé dessus, au-dessus du micro-ondes. Je me dis quoi? Elle m'engueule parce que j'avais pas lavé au-dessus du micro-ondes, vraiment quoi. C'est une blague? De toute façon, je peux pas y accéder, j'ai pas le droit. Si, vous pouvez prendre, il y a un escabeau, je sais pas quoi. Et j'ai dit non, mais madame, dans le règlement. Heureusement que je m'étais renseignée, hein, parce que sinon je me serais fait avoir. Dans le règlement, c'est indiqué que j'ai pas le droit. Enfin, moi, je suis pas habilitée. Si je monte sur quelque chose, je risque d'un accident du travail. J'ai pas le droit de monter sur ni des chaises, ni rien, en fait. Elle me dit oui, vous avez même pas passé l'aspirateur. Je dis mais vous voulez quoi, que je passe l'aspirateur pendant que votre mari y mange alors qu'il s'est pas mangé tout seul? Je fais comment? C'est je lui donne une main et puis de l'autre je passe l'aspirateur. Je dirais en plus je suis désolée, mais moi là-bas je suis payée pour m'occuper de votre mari. Pas de fait de faire votre ménage alors que vous êtes capable de le faire vous-même. Si ça vous plaît pas, c'est comme ça. Donc elle continue à me gueuler dessus. Je dis en plus vachement sympa la considération que vous avez pour votre mari. Moi je trouve pas ça normal de passe l'aspirateur pendant qu'il mange. Je pense que ça doit déjà pas être simple pour lui tous les jours. Il a peut-être besoin d'un moment de tranquillité pour manger son repas, quoi. Elle commence à me prendre la tête.
Et elle me saoule, du coup, je dis, vous savez quoi, je pars là, je me casse. Elle me dit, oui, vous avez pas fait vos 2 heures, je sais pas quoi, je fais pas quoi. Vous savez quoi, je vous fais cadeau de la dernière demi-heure, signez bien que j'ai fait qu'une heure, là, signez ici, je lui tends le papier, je la force à signer, je me casse. Entre-temps, c'est même pas l'entreprise qui m'appelle, c'est moi qui les appelle direct, parce que j'étais en colère, mais j'étais vraiment en colère, j'étais vénère, quoi. J'appelle l'entreprise, qui me dit, non, mais vous inquiétez pas, vous êtes la troisième qui part cette semaine. On se doute qu'il y a un problème avec cette femme, c'est pas de votre faute. Et j'ai fait ah. Ça m'a beaucoup rassurée. J'ai fait ah ouais, c'est chaud. C'est quand même très chaud. Peut-être faire un peu français quand j'y pense. Sinon, qu'est-ce que j'ai pas aimé je sais pas, il y a plein de choses que j'ai pas aimé. Faut dire que, je sais pas, je suis peut-être un peu bizarre aussi. Enfin, je sais pas si c'est bizarre en vrai, mais à ce moment-là, moi j'étudiais pour faire ce que je fais maintenant. Quand même. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce côté chez moi où j'ai eu beaucoup de mal à travailler dans des choses qui m'intéressaient pas. Je le faisais parce qu'il fallait le faire, je le faisais bien parce que j'avais une conscience professionnelle. Et c'était presque déprimant pour moi de me lever le matin pour ça, mais vraiment. Pourtant j'en ai fait plein des boulots de merde. Mais vraiment celui-là, c'est pas un des pires en vrai. Pour moi c'était toujours la déprime, d'aller bosser dans des trucs qui me plaisaient pas, toujours. C'est pas un travail facile, et puis c'est un métier passion. Oui, bah oui, c'est pas un travail facile. Hein. Moi, franchement, j'ai d'autant plus de respect maintenant depuis que j'ai que 7 ans pour les gens qui sont... Que ça soit aide à domicile, aide-soignant, infirmière, enfin, toutes ces personnes qui sont près des gens, qui subissent aussi les aléas, les humeurs de chacun. Mais après, quand c'est un métier passion, j'imagine que c'est beaucoup plus agréable au quotidien. Moi, c'était pas du tout le cas. Moi, je rêvais de... Bon là, je rêvais de dessins animés, je rêvais de production, de tout ça. Donc pour moi, c'était tellement à l'opposé de ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que j'ai tellement travaillé aussi pendant mes études et tout. C'est parce que je voulais atteindre le but de faire j'aime par-dessus tout. J'aime, c'est ça. Donc du coup, après, il en faut. Faire le ménage chez les autres, c'est pas très glorieux, mais je sais pour qui je le fais. Bah écoute, tant que ça te plaît, enfin pour moi, il n'y a pas de sous-métier en fait. Hein. Ce qui compte, c'est surtout d'y trouver son compte et de... Si t'aimes ton métier, franchement, aucun souci à ça, perso. Moi, c'est pas mon truc. Mais c'est juste que c'est comme ça. Hop. La beubar. Hop, on va partir sur ces couleurs là. On va essayer de faire comme on a fait tout à l'heure. Moment de calme soudainement.
J'ai fait les ménages une fois pour un gars jeune qui m'ignorait. J'ai détesté. Et là, je sais que les personnes me remercient à chaque fois et ça se sent que je les aide vraiment. Donc, c'est valorisant, même si c'est pas facile tous les jours. Mais ça, je te comprends. Surtout quand tu tombes sur des familles pauvres, c'est vrai que ça, c'est chouette. Inhabituel. Hop. Peut-être faire un truc. Ça dommage. On va voir le haut de la tête. J'ai de la chance avec mon entreprise parce que si une mission ne me plaît pas, j'ai le droit d'arrêter et l'entreprise comprend et ils prennent soin de leur employé. Ça, c'est cool, ça. Ça, quand tu tombes sur des entreprises chouettes qui te mettent pas pas la pression et qui. Bah, surtout dans ce genre de métier parce que t'es. Enfin, mine de rien, ça reste un métier social. Il y a des gens à qui ça passe pas, hein, c'est comme ça. Hein. Pas toujours d'explications. C'est vrai que je vous ai laissé l'image en plein milieu, attendez. Hop. Shoot. Trop foncé du coup. Avec les lunettes et là on va faire notre calque. Ils me disent souvent que je fais du bon travail, qu'ils sont contents de moi, ça c'est chouette. Ses lunettes. Bien qu'on est dans la caricature. Hop.
tout à fait ronde, mais écoutez. Peut-être plus réaliste. Quand j'ai appelé l'association pour la vigne, ma patronne m'a cité. Pardon, tu peux poser une question au chat. Bien sûr, pose une question au chat. Mais ça te dérange pas du tout que tu racontes ta vie. C'est bien, tu animes un peu le live finalement, parce que vu que tous en mode crevé, on parle pas beaucoup. Hop. Et en fait, ça. Je pense que c'est pas si mal, hein. Ce que vous en pensez. Je pense qu'on est bien. Hein. Bon, attends, si j'ai peut-être fait un peu abuser encore sur la taille des joues. Hein. T'as un peu abusé là quand même. Quel est le métier que vous avez le moins aimé faire et celui que vous avez le plus aimé faire et pourquoi? Bien, tu lances des dissertes. Pire métier, caissier chez McDo. Toute une histoire. Ah, faut que tu nous racontes. J'adorais la restauration rapide, j'ai détesté la restauration rapide. Mais pas aux mêmes endroits. Ah, c'est fou. C'est vrai que souvent les expériences aussi elles dépendent vachement des gens que tu rencontres sur place et tout ça. Je fais plus comme ça. Garder le côté sourire. Cœur quand même. C'est pas que ça passe des jours de fou. Ah, c'est mieux. Je vous mets le avant après. Il est pas mal, hein? Perso, j'aime bien. Si les collègues sont sympas, ça passe mieux. Ouais, c'est ça. McDo, c'est trop bien. Et une crêperie pas loin chez moi était des connards et je reste poli encore. Ok. Quand je suis arrivée pour l'entretien juste avant que la directrice n'arrive, un gosse a fait une crise d'épilepsie et c'est moi qui ai dû gérer vu que la mère était totale panique. Après ça, forcément, j'étais bien. Mais bon, on parle d'un contrat étudiant, donc nickel, je voulais surtout pas un CDI, vu que c'était pour l'été. Ah, j'ai mal au dos, c'est un enfer. Hop, on va passer à la couleur.
deuxième rendez-vous pour la signature du contrat. Je découvre qu'elle me fait signer un CDI, sauf que début juillet, et j'ai clairement plus le temps de chercher un autre taf pour juillet. Dégoûtée, je signe, mais je lui fais la remarque. Et elle s'en fout évidemment. Une fois signée, elle me dit « Bon, tu commences maintenant. » Je suis en mode « What ? Fallait peut-être me prévenir. » Putain, j'avoue. J'avoue, c'est chaud. Pas du tout, vu que j'avais pris la voiture de mon père qui devait la récup après l'entretien pour aller à son travail. Je vais devoir vous laisser un petit peu le lien, je veux faire pipi ou caca. Ça marche, promène bien ton lien. Ça, plus les mecs relous qui veulent absolument qu'on leur fasse bénéficier de leur réduc qui se trouve parfois derrière les tickets de caisse, sauf que là, ben, c'était pire. Ça m'insultait, putain. Ça veut vraiment être casse-couille. Je reste calme et le vigile le sort. Ah, c'était déjà. Déjà. Hop. Oh, il est sorti, a fait pipi, et après il est rentré direct en mode il fait trop froid. Tu m'étonnes. A pas fait long feu. Sharing's okay, but now I'm fighting through.
puis un autre jour, lors d'un rush, c'était le McDo d'Orléans au centre, ah oui. Donc le midi, des fois c'est chaud, la directrice me demande de faire un truc, je lui réponds, je finis ce que je suis en train de faire et je m'en occupe. Elle me reprend 10 minutes plus tard dans son bureau en me disant « Ouais, plus jamais tu me parles comme ça devant les clients, quand je te demande un truc, tu le fais. » Meuf, je suis pas ton yinche en fait. Ça, je lui dis pas, je lui dis « j'en ai rien à me reprocher. » Bah ouais, tu m'étonnes. Sur autre chose, en même temps, je peux pas me dédoubler, bah oui. Et elle, du coup, tu t'excuses, sérieux ? Non, je m'excuse pas, j'ai aucune raison de m'excuser. Et voilà, mais non, mais c'est chaud. C'est plus elle maintenant, c'était en 2015. Ah, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud de s'adresser comme ça aux gens. Ça, c'est typiquement le genre de personne qui a pas confiance en soi. Et du coup, elle sait qu'elle a fait de la merde, et du coup, elle veut trop se rattraper dans son ego. Tu t'excuses parce que dans son ego a pris un coup, quoi. Quoi ces gens, ça? Pardon, monsieur le modo. on parle comme ça, je me casse. Bah, c'est chaud, hein. Hésité, puis je me suis rappelé que j'étais tutant, que j'avais besoin de thunes. Ouais, bah, c'est ça, hein. Souvent, tu prends sur toi parce que t'as pas le choix. Hein. Tu te laisses pas faire. Cela dit, moi, j'ai remarqué que généralement, quand je me laisse pas faire, après, les gens, ils m'apprécient encore plus. C'est très marrant, ça. M'est arrivé plusieurs fois, hein. Des gens qui essayent de te marcher dessus, tu sais, qui te parlent mal. Pour essayer de montrer une baisse de puissance sur toi. Et quand toi tu te laisses pas faire, que tu lui dis avec politesse évidemment, correctement, parce que si tu commences à t'énerver, pas le même impact. Quand tu montres par A plus B que t'en as rien à foutre de ce qu'il dit parce que tu sais que t'as raison, après souvent ils sont sympas, tu vois, ils osent plus t'emmerder. Ils sont des crèmes avec toi. Ça m'est arrivé plusieurs fois ça. Moi je bossais dans un resto aussi d'ailleurs. Et un des chefs était. C'était un gars qui se la pétait de ouf en plus, qui se croyait trop beau, et il parlait mal aux gens. Je sais plus, il me faisait souvent des vannes, mais tu sais, lui c'était en mode vanne, reproche déguisé en vanne, ou des petits pics comme ça à balancer, tu sais, pour essayer de te rabaisser tout en rigolant. Et je me rappelle plus exactement de ce qu'il avait dit, et je sais qu'une fois je l'ai envoyé chier, ou je lui ai renvoyé une vanne du même délire en pleine face devant tout le monde. Il s'est senti trop con. Puis après, il arrêtait pas de venir me voir à chaque fois que j'étais à la caisse ou quoi. Oh, est-ce que tout va bien? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Il était tout le temps au petit soin pour moi, c'était un truc de fou. Putain, Baptiste, je suis trop fière. En vrai, je trouve que je te reconnais trop sur mon dessin. On va te mettre un fond tout de suite. C'est quoi ta couleur, bref? Dis-moi. Hop, mets l'image à côté. Un peu forêt. Ah, ça peut être chouette ça en plus comme couleur. On va commencer à le faire avec ça. Vert un peu forêt. Ces tons là un peu. Après là c'est peut-être un peu trop. Il va falloir trouver une alternative. Ça jure trop avec le t-shirt. Après je peux faire un effet de dégradé. Les cheveux à droite sont pas assez longs, non? En fait, c'est parce que j'ai voulu faire un genre d'effet de 3 quarts, mais je peux faire les cheveux plus longs. Hein. Aïe. C'est genre vert sympa. Ok, je vais tester. Attends, je vais tenter de rallonger les... Qu'est-ce que ça peut donner? Hop. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Perso, j'ai fait soirée, je joue régulièrement à LoL avec des managers, même si je bosse plus là-bas. Raconte ma meilleure expérience après alors. Ouais, fais-le.
Ah, comme quoi, tu vois, ça dépend vraiment des gens sur qui tu tombes. Alors, tu me disais plus un vert sapin. Sapin. Enfin, c'est plus ça. Ou c'est ça jure un peu avec. C'est trop foncé. Ouais, c'est un peu mal foncé, quoi. Carte blanche du coup. Je vais essayer de trouver. Alors, faut qu'on trouve une couleur qui contraste. En fait, ce qui pourrait le faire. Est-ce que des tout. Ton rouge, non. Du violet. Bah, après, le violet, il y a moyen que ça colle parce que c'est une couleur complémentaire en fait. On l'a déjà fait. Après, du bleu, c'est pas mal. Le tour du cercle. Je suis... Ça va être fini. Après, en vert, ça passe, mais plus un vert comme ça, à la limite. Comme ça, c'est déjà un peu plus vert bleu comme ça. Ça passe déjà mieux, parce que c'est contraire au... Ouais, c'est sympa comme ça, hein. J'ai bossé 3 semaines dans une crêperie avec des patrons qui veulent, je cite, des robots pour travailler. Putain. Je faisais du 45 heures semaine et était arrangeant pour les horaires. Au bout de 3 semaines, je pars parce que l'ambiance était pas ouf et j'aimais pas la mentalité rentabilité tout, à tout prix. Là. Quand je suis partie, ils m'ont payé que 35 heures semaine. Putain, les bâtards. Car ils ont regardé les caméras de surveillance et tu mérites pas d'être payé 45 heures semaine. Mais non. Mais non. Putain, ça me fume. Il y a des gens, ils ont vraiment honte de rien, c'est un truc de fou. Hop. Tout à l'heure, on va faire un petit effet. Par contre, la lumière, elle va de l'autre côté sur ta photo. Alors, on va faire l'inverse. Pour faire le même petit effet. Hop, ça. Peut-être le seul. Sorte. Genre. Voilà, c'était qui aux ombres. Ouais, c'est clair, t'as fait 45 heures, c'est 45 heures, c'est clair. Je savais pas qu'on était payé au mérite, je te jure. Du coup, je vais attendre juin pour mettre un giga avis négatif pour dissuader d'aller bosser là-bas, plus l'envoyer à l'inspection du travail en pleine saison. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Très bonne manière de se venger, je trouve. C'est légal. Ils sauront ce qu'ils arrivent. Hein. Hop. Alors, on va essayer de voir les ombres. Hop.
Ouais, tu m'étonnes, les procédures. En fait, c'est un truc qui est chiant avec la justice française, c'est que les procédures sont tellement longues, ça dissuade en fait de lancer des trucs quand t'as. J'avais une pote qui était dans ce cas de figure où en fait elle avait acheté un appart. En fait, elle a trouvé des vis cachées, notamment sur l'immeuble qui devait être complètement rénové de l'intérieur, mais genre des travaux qui coûtaient des centaines et des centaines des centaines de milliers d'euros. Pas que pour elle, pour tous les propriétaires, hein. Mais en fait, les mecs qui lui ont vendu la maison, ils lui ont caché ça alors que c'était obligatoire de le préciser. Elle avait déjà payé l'appart. Du coup, ben, elle a hésité à rentrer dans une procédure. Sauf que finalement, elle l'a pas fait parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle allait perdre plus d'argent qu'autre chose. Ben, elle a décidé de vendre son appart à perte, du coup. Elle a été avec les. D'après. Et bon, sans ça, elle avait calculé. Oui, sauf si elle gagne, mais ce qu'il faut, c'est allonger l'argent tant que. En fait, c'est ça le problème, c'est que les procédures sont tellement longues. C'est ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle disait, si je le fais, ça veut dire qu'il faut que j'aligne les thunes pour payer avocat et compagnie pendant. Parce qu'elle me disait, c'était renseigné, ce genre de procédure, c'était pour au moins 10 ans minimum. Tout ce qu'elle voulait faire. Mais elle dit, ça veut dire qu'il faut que je paye mes charges de cet appartement, que je paye. Paye les travaux de ma poche en attendant. Tout ça pendant ou presque. Enfin, ça peut aller jusqu'à 10 ans, donc pour un temps indéterminé, sur plusieurs années, le temps d'être remboursé. Elle dit, il faut savoir. Enfin, c'est-à-dire que je me prends, allez, on va dire 5 ans, si on fait la moyenne, 5 ans à vivre pas en galérienne parce que toutes les thunes elles vont partir dans le procès et dans les travaux de l'immeuble, quoi. C'est chaud. Bah elle m'avait expliqué qu'elle s'était renseignée et qu'apparemment aussi elle devait payer les frais, je sais pas quoi. Alors après peut-être qu'elle s'est pas renseignée où il fallait, hein, moi j'y connais rien. Qu'il faut que je rajoute un effet lunette. Me paraît inégal, très injuste. Du coup, la justice est du côté des riches, ben ça a à se demander, hein. Après, moi, je te dis ce qu'elle m'a dit, hein. C'est comme ça, hein. Enfin. Temps de récupérer une thune, c'est. Ça dit. En tout cas, peut-être c'est des idées reçues, hein, je sais pas. N'empêche que ça dissuade énormément de se lancer dans des poursuites. En tout cas, quand c'est des poursuites administratives de ce genre. Moi, j'ai travaillé dans un magasin au rayon frais. Les frigos ne fonctionnaient plus. Les yaourts du fond étaient trempés. Parce que le froid de devant se transformait en eau et les yaourts du fond n'étaient pas refroidis. J'ai demandé à mon responsable ce que je faisais. Elle m'a dit, tu les mets devant pour qu'ils refroidissent et on va les vendre. Ah ouais, non, c'est pas cool ça. Trouver des laits périmés depuis des mois dans le rayon étaient stockés. Dehors, en plein soleil en été. Ah ouais, c'est chaud.
d'autant plus d'aide pour ceux qui n'ont pas trop de sous, genre. Peut-être pour les demandeurs d'emploi qui veulent porter plainte contre une entreprise. Ah, ça c'est bien, ça, je savais pas que ça existait. J'en ai parlé à mon responsable, ils m'ont viré parce que j'étais pas assez compétente. J'ai toujours regretté de ne pas avoir appelé l'inspection. Bah ouais, là c'est un peu abusé quand même, hein. Hop là, excusez-moi. Alors, on va passer un peu à la lumière. Ah non, avant j'ai dit que je faisais un truc sur les petits effets de lunettes. Alors. Un truc ici. Pas très. Je peux être chiant, Amélie, vas-y. C'est Auchan, Olivier? Le pont de mes lunettes, il est doré. Ah, le pont milieu? Ok, ok, je vais le changer. Ah oui, c'est vrai que sur la photo, je croyais que c'était le reflet du soleil. J'écris plus bien cette heure-là. En plus, moi, je sais pas dire, donc... Mais ça va, j'ai compris. Pour reprocher de pas dire bonjour le matin. Hop. Ça. De dessin animé. Trop épais. Alors... Ça, en fait. C'est pas très droit. Comme ça. Très léger. Non mais déjà lors de mon entretien, le mec me pose des questions sur la chaîne du froid et il se trompe sur un truc, je lui dis, et il me répond non non j'ai raison, c'est chaud. C'est chaud. Hop, le pont doré des lunettes de monsieur. Alors, doré, doré. Faire du doré, on va faire un petit effet comme ça. Ocre, le reflet.
Hop là. Passe les meilleures expériences. Donc plus que maintenant, plus que les lumières. Ensuite, petit filtre. Et pas mal. Voyons voir. Sur l'ensemble des couleurs. Si je pars sur une lumière verte. Oh, qu'est-ce que j'ai mal au dos? On le reconnaît trop? Ah, ça me fait plaisir. Repérer un truc qui me chiffonne. Oula, oula, oula. Voilà. Peut-être plus mettre une lumière jaune. Hein. Oui. Professeur en anglais et mathématiques dans un CFA privé. Qui s'entraîne à l'anglais. En plus, Megu, elle parle très bien anglais. Hein. D'ailleurs, t'as perdu ton anglais ou pas, Megu? Ça va? Me fait rire. Non, je parle pas très bien anglais, je le comprends très bien, mais le parler c'est autre chose. Ouais, t'es comme moi. Petit reflet sur la joue, bout du nez, peut-être un poil. Trop opaque pour les joues. Hop! Que pas trop fait de sur le t-shirt. Hop. Le petit filtre. Le petit filtre. Alors, on est parti sur un truc vert.
autant partir sur du jeu. Peut-être un peu trop. Ça plutôt. On part sur du vert comme ça. Voir ce que ça donne. Tout de suite un petit filtre. Un poil trop. Ou alors, la couleur elle est. Peut-être juste du bleu. C'est un peu plus contrasté. Sentez la différence de fou avec le filtre. Ça accentue tout de suite les lumières. Si ça c'est la déformation professionnelle pour moi aussi, tu vois. Côté compositing, les effets spéciaux. Hop là. Bah, je pense qu'on est pas mal, hein. Si, il manque un truc, putain. Je vais oublier. Les reflets dans les yeux. Tout de suite. Merci, j'aime apprendre. Hop! Ben voilà! On va remettre l'image de base. Hop là! Petit avant-après. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Franchement, je suis pas peu fière. Je trouve que on te reconnaît bien dessus. Je suis assez contente. Ça te plaît? Ah yes, ah, je suis contente. N'hésitez pas à m'envoyer... Alors c'est comme vous voulez, soit je vous l'envoie sur Discord demain. Mais je crois que je t'ai pas sur Discord, Baptiste. Donc au pire, tu m'enverras ton adresse mail. Je pense que je ferai ça demain dans la matinée ou dans l'après-midi. Enfin, dans la journée, quoi. Je vous les enverrai demain. Et sur Discord, ok. Oui, je savais plus si je t'avais un ami sur Discord ou pas. J'aurais fait les joues un peu plus rondes, désolé, je suis chiante. Oui, mais en fait, le truc, c'est que comme c'est une déformation en extraterrestre, c'est compliqué de faire des joues plus rondes. Parce que j'ai déjà essayé d'arrondir les joues, mais comme l'idée, c'était de garder quand même le côté, le bas du visage plus fin, là, c'était compliqué. Tu viens de m'envoyer un coucou. Ah oui, tout à fait. Ah, je t'ajoute en même. Hop là. Parfait, bon, comme ça je vous les envoie demain sur Discord. Et puis je posterai celui de Jix demain sur Instagram. D'ailleurs, est-ce que je peux vous taguer? Je sais pas si t'as Insta, Jix, tu me diras. Tu me dis. Si je peux vous taguer ou pas dessus. Sur les posts. Donc demain je mettrai celui de Jix. Et je pense que je vais mettre le deuxième. Sans doute. Jeudi ou vendredi. Nope, j'ai pas. Bon bah je te taguerai pas. Tant pis. Mais je mettrai ta chaîne Twitch, t'inquiète. Et celui-là, peut-être vendredi. Comme ça fait 2 jours. Tu sais, pour espacer un peu le publication. Bah, de toute façon, on va arrêter le stream aussi. Je vous avoue que là, je tiens plus. J'ai le dos qui est en vrac complet. J'en peux juste plus. Mais c'était très sympa. Merci beaucoup pour ce petit live chill. Hop, attendez, je repasse en Ancona Talk.
Merci pour ce petit live chill, c'était très cool. J'espère que ça vous a plu, même si c'était très très chill. Merci pour la pub, je streamerai dans la foulée du combat, nickel. Raid Coco, bon, on peut raid Coco, après on est que 3. Sachant que toi tu vas partir, donc ils seront que 2. En fait, les 3 présents sur ma chaîne actuellement parlent dans le chat, apparemment. Mais après, je peux raid Coco si tu veux, hein, mais sauf si tu vas te coucher. Petit raid Coco pour dire bonjour, bah là, attendez. Petit raid Coco. Voir Coco avant, pas très bien. Alors attends. Venez de mon côté. Je vais en faire un petit raid Coco. Bah, mine de rien, je suis quand même contente parce que. Même si en fin de soirée, à chaque fois, on est peu nombreux, on arrive maintenant, plus ça va, plus la moyenne du stream, elle est. Elle est autour de 8 à 10 personnes. Et c'est cool. J'en reste quand même, c'est chouette. Hyper important, qu'est-ce qui se passe? Chad va te harceler, pourquoi? Mais bon, me harceler. Débloquer un nouveau slot pour une émote. Dans la fin de ton histoire avant d'envoyer des. Qu'est-ce qu'il y a débloqué comme émote? Attends, je suis sur sa chaîne, je vais regarder. Si. Oui, je sais ce que c'est un slot, mais. Ah ok, d'accord, ok, j'ai compris, c'est qu'en fait tu veux dire qu'ils vont me harceler pour que je crée une émote, c'est ça? Je croyais que tu voulais dire qu'il avait débloqué un nouveau slot et du coup il avait rajouté une émote. Ok, ok, ok. Y a pas de problème, bon, de toute façon il est assez bon, hein. Il est assez bon. Il m'a dit de te dire ça. Bon bah alors raison plus pour aller le raid, et faire un petit coucou. Hop là. Bon bah alors c'est parti, je lance. Je sais plus c'est comment à chaque fois. Ça. Merde. Une fois sur deux je me trompe. Voilà. Bah merci à vous les amis. Merci à vous d'avoir été là. C'était une petite soirée tranquillou. On se retrouve jeudi pour du Hades, la suite. Et mardi prochain, ça sera encore du dessin. Mais je sais pas encore ce que je vais faire, parce que ce week-end, je serai pas là. Donc je sais pas ce que je vais faire. Mais sans doute du dessin aussi, le temps que je puisse trouver du temps pour faire des trucs plus ambitieux. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous souhaite une très bonne nuit. On se retrouve chez Coco dans 30 secondes. Des gros bisous.